Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons faire un spécial fond. Hein. Vous êtes habitués, à chaque mois, on fait un spécial fond ensemble. Donc, nous allons utiliser des Neocolor 2. Je vais vous montrer plein bureau. Là, ce que je vais faire, c'est des fonds que j'ai déjà réalisés, mais que j'avais pas fait en vidéo avec vous. Et on m'a demandé comment je les avais fait. Donc, je me suis dit que j'allais les faire en vidéo aujourd'hui avec vous. Donc, on a trois fonds à faire. On va aller dans les Anacarzone. Hein. Vous savez que je fais toujours les spéciales fonds dans ces livres-là. Donc, on va faire un fond Neocolor 2, un fond au pastel et on va avoir un fond au crayon. Par contre, le fond au crayon, je vais vous faire qu'une seule partie parce que je pense que vous allez être capable de le terminer par la suite. Donc, on passe plein bureau tout de suite et on va commencer ça. Donc, je vais commencer par vous montrer les fonds que j'avais réalisés et que vous avez été beaucoup à me demander comment je les avais faits. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de les faire avec vous aujourd'hui. Donc, dans le Axan Stuga, c'est toutes des colos que vous avez déjà vus, hein, puisque je vous les ai montrés dans mes coloriages terminés. On m'a demandé de faire le fond de ce colo-là. Là, je ne sais pas si je vais être capable de le faire exact, parce que au début, ce fond-là, c'était un fond raté, que j'ai rattrapé. Donc, je vais essayer de vous faire quelque chose semblable à ça. Donc, on va faire ce fond-là ensemble et ça va être avec les Neocolor 2 et on va probablement utiliser de l'aquarelle métallique aussi. Donc, ensuite, on va faire le fond rose que j'avais fait. Vous avez été plusieurs à aimer ce fond-là, donc je me suis dit que j'allais vous le faire. C'était pour Octobre Rose, donc vous allez voir que ça, c'est vraiment pas long à faire. On va le faire avec les pannes pastels, celui-là. Et ensuite, on va faire un fond au crayon. Par contre, lui, vous ne l'avez pas vu, là, je vais spoiler un peu, mais j'ai comme une petite idée que vous allez vouloir le voir. Donc, je me suis dit, je vais le partager parce que j'avais pas filmé quand je l'ai fait. Donc, j'ai retenté un aurore boréale et cette fois-ci, j'ai pas mis de vert. Vous savez, des fois, les aurores boréales, ils ont du vert, un peu vert lime. Mais j'ai un peu changé les couleurs et j'aimais bien l'effet, donc je me suis dit que j'allais vous le partager. Ça va être celui-là qui va être le plus long à faire et c'est lui que je vais pas faire en entier. Hein. Je vais juste vous montrer une petite section et après ça, on répète toujours la même chose. Donc, vous allez voir, je vais tout vous expliquer ça. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui pour nos fonds. J'ai pas fait des fonds improvisés. Vous savez, des fois, j'improvise des fonds. Mais bon, là, je me suis dit, on va me préparer un peu pour la vidéo. Ça va peut-être avoir un peu plus d'allure. Donc, on va commencer avec le fond au crayon. Là, j'ai sélectionné ces deux livres-là. C'est des livres de test, hein, donc je serais pas obligée de terminer les colos. Donc là, j'avais mis des petits papiers pour... où est-ce que... Bon, ici, on va probablement faire le fond au pan pastel. Donc, je vais pas commencer avec lui. Et lui, c'était pour... OK, je vais prendre lui pour faire le genre d'aurore boréale. Étant donné que c'est petit, ça va être plus facile pour moi de vous le faire, hein, puisque vu qu'on a trois fonds à faire ensemble, je veux pas prendre des colos trop longs non plus. Donc, pour réaliser le fond aurore boréale, vous allez avoir besoin d'un crayon blanc Prismacolor. Vous allez avoir besoin d'un Lumocolor blanc. C'est un peu... le Lumocolor, c'est pas... que vous êtes obligé de l'avoir. Hein. Vous pouvez le réaliser quand même si vous ne l'avez pas. Mais moi, j'ai fait un peu ma finition avec ça. Donc là, je vais me prendre un crayon blanc neuf là, parce que ça va aller mal. Et là, n'importe quel crayon, moi, je vais le réaliser avec les Derwent Lightfast puisque j'avais fait mon colo avec ceux-là. Donc, je vais prendre pour faire les aurores boréales. Je vais vous dire le combo. Et là, je les avais pas écrits, bien évidemment. Mais je pense que c'était ça. J'avais pris le Midnight Black, le Midnight Blue et j'avais pris le Mid Blue. Et j'avais terminé avec celui-là qui était le turquoise green. Donc, ça vous prend que 4 crayons. Et si vous n'avez pas les Lightfast, c'est pas grave. Vous pouvez aller vous rechercher des couleurs similaires hein, dans vos autres crayons. Vous prenez le bleu le plus foncé. Après ça, vous y allez avec un bleu un petit peu moins foncé. Après ça, vous allez prendre un genre de bleu ciel, mais foncé. Et après ça, on y va avec un genre de petit turquoise. Et j'avais mis quelques petites touches du light aqua. Et on termine tout ça avec du blanc. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous faire un peu d'avance rapide hein, pour ce fond-là parce que je veux pas qu'on passe une éternité là-dessus non plus. Donc, on va commencer avec le Midnight Black. Et là, pour être certain de vous faire ça comme il faut, je crois que je vais mettre mon colo. Je vais mettre mon colo proche de moi comme ça. Je vais voir. Je veux vraiment vous le refaire pareil. Et des fois, c'est pas toujours évident. Donc, je vais mettre ça.
vais le mettre où? Je sais pas, je vais le mettre ici, tiens. Vous le voyez pas là, mais moi, je... non, ça marche pas. Merci. OK, bon. Donc là, je vais me servir du centre du colo, parce que ça va être beaucoup moins long pour moi de vous le montrer de cette façon-là. Donc là, ça, on n'a plus besoin. J'appuie sur pause, je vais aiguiser tous les crayons pour vous éviter le bruit de l'aiguisoir et je vous reviens. OK, donc je vous retrouve avec tous mes crayons aiguisés. Donc, on va commencer par la couleur la plus foncée qui va être le Midnight Black. Donc, on va partir dans le haut. Peu importe, hein, ça peut être dans n'importe quel colo que vous allez faire ça. Si vous, mettons, vous voulez faire toute la page en entier, je vous dis bonne chance parce que c'est long. Mais vous partez, votre foncé dans le haut de votre page. Vous allez commencer comme ça. Donc, on s'imagine que ici c'est le haut de ma page et moi, je vais faire que le centre des personnages. Donc, je vais partir mon foncé ici et là, je vais appuyer sur mon crayon. Et là, ben, je vais décider où est-ce qu'il va avoir du foncé. Donc, j'appuie et je relâche, hein, doucement, parce qu'il va avoir la prochaine couleur qui va venir s'intégrer à ça. Donc, on part pas tout de suite à faire nos aurores boréales. Là, on commence à faire notre ciel, au fond. Donc, je vais appuyer et on doit laisser... on doit laisser de la place... ben pour intégrer la prochaine couleur. Et là, ben vous n'êtes pas obligé de faire tout égal. Hein? Je vous remonte le colo, là. Vous voyez, dans mon colo, là, j'ai mis foncé ici, foncé là. Là, après ça, quand je vais commencer à venir dégrader, je vais venir mettre mon turquoise dans le centre et après, je vais l'étirer avec mon crayon blanc et venir faire quelques lignes par-dessus avec mon Lumocolor. Donc, un coup, j'ai fait mon foncé. Vous voyez ici, j'ai descendu un petit peu plus. Là, il est un petit peu plus haut. Donc, on essaie de la faire un peu déconstruit. Si vous voulez donner l'effet d'un aurore boréale, il faut pas la faire en ligne droite. Sinon, ça vous donnera pas l'effet. Donc, c'est ça que je veux dire par le fait que vous mettez pas votre foncé égal. Donc, ici, on va le descendre peut-être un petit peu plus. Ici, on va le laisser plus haut. Et c'est les couleurs suivantes qui vont venir dégrader ça. Donc là, je vais appliquer celui-là tout partout où est-ce que je veux que ce soit foncé. Ben, je vais appuyer et après ça, je vais relâcher pour laisser la prochaine couleur entrer dedans. Donc, je vais vous laisser regarder pour l'application de cette première couleur-là. Hein. On va s'économiser du temps puisqu'on a trois fonds à faire ensemble. Donc, vous voyez ici, je l'ai quand même bien descendu et ici, je vais rester un peu plus haut. Donc là, je suis un peu en train de construire mon ciel. Donc, je vous laisse regarder et je vous reviens pour la prochaine couleur, les amis. Donc là, je vais m'arrêter là avec cette couleur-là, mais c'est sûr qu'on va en avoir encore de besoin. Donc, je la garde de côté. Ensuite, je vais venir utiliser le Midnight Blue et là, je vais commencer à dégrader avec lui. Donc, je vais entrer dans mon Midnight Black et là, je vais commencer à dégrader vers le bas. Et là, c'est pas obligé que votre dégradé soit en ligne droite. Il peut être un peu déconstruit. Donc, on entre dans la couleur, on appuie parce que je veux vraiment que, où est-ce qu'il n'y a pas les aurores boréales, ça soit foncé parce que c'est ça qui va les faire ressortir. Donc, j'appuie et je relâche doucement vers le bas. Voyez, là, on voit que ça devient un peu plus pâle et c'est quand je vais intégrer mes prochaines couleurs qu'on va commencer à former notre aurore boréale. Donc, c'est vraiment de le faire petite partie par petite partie. Essayez pas de le faire tout d'un coup. Moi, je l'ai fait un peu de cette façon-là. Je l'ai fait un peu en le faisant en petite section. Et je trouvais que ça s'est bien déroulé, voilà. Ça s'est bien passé. C'est long à faire, par contre. Hein? C'est pour ça que j'essaie de vous faire une petite section et de vous faire un peu d'avance rapide parce que... Puis j'ai choisi aussi deux autres fonds qui seront pas trop longs à réaliser. Donc, voilà. Donc là, un coup que j'ai fini avec celui-là, là, je vais venir intégrer mon autre couleur qui va être le Mid Blue. Et là, je vais encore une fois entrer dans ma couleur et je vais dégrader.
Dans le fond, lui, il va me permettre de venir intégrer mon turquoise. Parce que si j'essaie d'intégrer mon turquoise avec mon Midnight Blue, ça va être trop... comment je pourrais dire? Ça va pas bien se fondre ensemble. Donc, dans le fond, lui, un peu... celui-là, c'est un peu l'intermédiaire. Donc, j'en mets pas une tonne non plus. Ça va être vraiment juste pour que mon turquoise se fonde bien dans la couleur. Donc, on fait... petite partie, on peut repasser hein, dans le haut. Gardez quand même pas mal de foncé ici. On remplit bien les petits trous blancs. Et là, vous voyez, hein, j'ai fait ça un peu déconstruit. Je ne vais pas faire un dégradé trop, trop égal. Ici, vous voyez, c'est un petit peu plus foncé. Sur ce côté-là, c'est un peu plus pâle. Et ensuite, je vais venir commencer à intégrer la couleur qui va fermer l'aurore boréale au fond, le turquoise green. Et là, je vais entrer dans ma couleur précédente. Et là, cette fois-ci, je vais pas appuyer. Hein. Je vais vraiment faire du repassage pour laisser place au turquoise. Et là, je vais le descendre ici. Là, à ce niveau-là, je vais appuyer un petit peu plus et je relâche doucement. Et ce que j'essaie de faire... c'est que dans le... Vous allez voir, je vais l'expliquer en même temps. Là, j'espère que j'explique ça comme il faut parce que je suis pas sûre. Donc là, je vais un peu en mettre dans le haut ici. Je vais appuyer un petit peu. Mais je veux que le centre de mon aurore boréale soit quand même plus pâle. Donc là, je vais commencer à la faire. Où est-ce que je veux qu'il y en ait? Et là, vous voyez ici, j'appuie presque pas. Parce que je veux que le centre de où est-ce qu'elle va être, ça soit pâle. Donc là, dans le bas, ici, je vais mettre un peu plus foncé, mais à ce niveau-là, je vais vraiment dégrader parce que après, on va reprendre le combo, mais à l'envers. Vous allez voir. Là, on va faire l'aurore boréale qui va s'en aller à peu près jusqu'ici. Et là, vous voyez, dans le centre, je laisse vraiment pâle. Ici, je vais en mettre un petit peu plus du turquoise. Et vous voyez, je le fais un peu en ligne. On fait exprès de faire ça un peu croche. Et là, dans le haut, ici, je peux commencer à appuyer un petit peu. Mais je me garde un petit bout ici où est-ce que ça va être vraiment blanc. Donc là, avant de mettre mon blanc dessus, je dois faire mon autre morceau. Donc là, je vais prendre mon... je vais faire mon combo à l'envers. Je vais faire mon Midnight Blue qui va s'en aller ici. Donc là, je vais pas appuyer. Hein. Je vais vraiment essayer de le fondre bien dans mon turquoise. Donc, j'essaie de le faire entrer, mais vous voyez, je vais vraiment le faire en petite ligne. Donc, ça va être encore mieux quand je vais passer mon blanc dessus, qui va faire les petites lignes. Vous savez, les aurores boréales, ils ont comme des petites lignes. Donc, c'est ça qui va faire qu'ils vont bien se mélanger ensemble. Et pourquoi je vous dis d'utiliser le Prismacolor blanc, c'est qu'il il a une bonne capacité à étirer les couleurs, et c'est ce qu'on veut faire dans ce colo-là. Donc, vous voyez, hein, je vais vraiment y aller doux avec mon Midnight Blue. Et après, un coup que je suis rendu là, je vais commencer à appuyer un petit peu plus parce que il faut qu'on vienne refaire du foncé à ce niveau-là pour qu'on ait, vous voyez, l'aurore boréale qui se promène un peu. Vous voyez ici, on a du foncé à ce niveau-là. Là, on en a ici, et après ça, on a une autre aurore boréale qui commence. Donc, on va tout le temps faire, on va alterner comme ça. Est-ce que j'explique ça comme il faut? J'espère. Donc là, je repasse. Je vais faire un petit passage, un autre petit passage pour bien fondre mon turquoise. Et là, je peux revenir avec mon turquoise pour, à ce niveau-là, venir encore plus prononcer. Donc, je vais passer par-dessus. Et là, je fais une pression moyenne sur mon crayon. Et je vais le faire vraiment déconstruit. Vous voyez, je vais vraiment pas m'appliquer à tonne. Donc là, un coup que ça c'est fait, je touche pas encore. On va pas venir tout de suite avec le blanc. On attend d'avoir une partie de foncé de fait. Donc là, on va revenir avec le Midnight Blue. Et on va repasser dessus notre Mid Blue. Pour là, commencer à venir intégrer la couleur la plus foncée. Donc, je vous laisse regarder. Hein, je vais faire une pression moyenne. Je vais plutôt faire des repassages, encore une fois.
Donc là, après, je reprends mon Midnight Black. Et là, où est-ce que je veux que ce soit foncé? Je vais commencer. Donc, je vais partir, mettons, ici, à partir du cou de mon personnage. Et là, je vais commencer à monter celui-là. Et ça va être plus facile de venir dégrader par la suite. Donc là, ici, on va avoir un autre morceau qui va être foncé. Et là, ben tout dépend hein, du colo que vous allez choisir de faire ce fond-là. Comment vous allez disposer vos aurores boréales. Et c'est vous qui décidez comment vous en mettez aussi. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre plein. Ou si vous avez envie d'en mettre plus, ben vraiment, vous allez décider où est-ce que vous allez mettre le foncé et le pâle. Et c'est ça, vraiment, qui va faire l'effet de l'aurore boréale. Vous allez voir un coup que ce morceau-là va être fait. Je pense que ça va être plus clair, ce que je dis. Pardon. Donc là, je vais le monter un peu parce que je veux qu'à ce niveau-là, ben, on ait encore du ciel foncé. Dans le fond, il n'y aura pas d'aurore boréale dans ce morceau-là. Donc là, je vais vraiment faire tout le dessous du menton. Et là, bon, je m'applique pas tant hein, parce que je veux pas que ça dure une éternité non plus pour la vidéo. En temps normal, là, je me serais appliqué un petit peu plus. C'est juste pour que vous montrer un peu comment on va repartir une autre aurore boréale. Donc là, je le dessine ici. Donc là, ici, à ce niveau-là, ça va être tout foncé. Donc, je vais venir remplir ici. Et toute cette partie-là, ici, ça va être du ciel foncé. Donc, je vais un peu délimiter mes couleurs. Ça va me permettre un peu de savoir où est-ce que je dois mettre mes couleurs foncées et mes couleurs pâles. Et là, ici, à ce niveau-là, je vais commencer à venir intégrer une autre aurore boréale. Donc, je vais utiliser mon Midnight Blue. Et là, je vais entrer dans celui-là, ici. Et c'est là que la prochaine aurore boréale va apparaître. Donc, le combo qu'on a fait ici va venir se mettre ici. Donc là, je sais un peu où est-ce que je m'en vais. Donc, je peux continuer avec mon Midnight Black. Donc là, ici, ça va être foncé. Là, je vais faire ça comme ça. Là. Je vais dégrader de cette façon-là. Ça va aller beaucoup plus vite. Parce qu'on s'en fout. De toute façon, à ce niveau-là, ça va être foncé. Donc... on va vraiment juste se laisser de la place pour intégrer la prochaine couleur. Donc, on fait foncer ici parce que, bon, le ciel va être foncé là. Et après, on fait un petit dégradé pour que notre prochaine couleur puisse se fondre ici. Donc là, on va venir faire la même chose à ce niveau-là. On va fondre la couleur ici, dans le fond. Donc, on va mettre foncé complètement à ce niveau-là. En temps normal, je colore pas de tous les côtés comme ça, là, mais c'est juste pour avancer plus vite dans la vidéo et j'aurais tendance à vouloir tourner mon livre, donc je vais le faire. Est-ce que je suis encore dans le cadre? Ouais. OK. Donc là, j'essaie de le faire rapidement là, pour que bon, on puisse avancer. Je pense, de toute façon, vous avez compris, hein? Je pense un peu de la façon qu'on va disposer nos couleurs. Dans le fond, ça, c'est pour la disposition des couleurs. Après, je vais vous montrer comment j'ai fait pour créer l'aurore boréale parce que là, à ce moment-là, on peut pas tout de suite venir chercher le blanc. Il faut vraiment qu'on ait notre section de compléter pour pouvoir venir étirer l'aurore boréale. Je ne sais pas combien de fois je vais dire ce mot-là dans cette vidéo-là. Ensuite, je prends la Midnight Blue et là, vous voyez, hein, je vais venir créer la même chose que j'ai fait ici dans le haut, mais j'ai fait mon combo à l'envers parce que... il faut que ce soit où est-ce qu'il y a l'aurore boréale, ça doit être les couleurs pâles qui sont là, pas les foncés. Donc là, je me fous un peu de... on se fout un peu de l'étoile, OK? J'ai passé par-dessus, là, mais c'est juste pour vous montrer. Hein. De toute façon, là, je vais pas le terminer, ce colo-là. Donc là, ici, je vais mettre un peu de celui-là. Il faut venir un peu, des fois, réajuster. Donc là, je vais vraiment entrer dans ma couleur que j'ai mis dans le bas. Et là, je vais venir dégrader vers le haut avec lui.
m'en embête un petit peu, mais vraiment là, à ce niveau-là, je vais vraiment pas appuyer. Hein. Je fais juste des repassages. Et là, je vais venir avec mon Mint Blue. Et je vais en mettre un petit peu de celui-là. Donc là, je vais essayer de le mettre un petit peu plus en faisant des petites lignes comme ça. Et là, ici, bon, ben, je vais peut-être en mettre un petit peu. Donc, je vais déconstruire un peu mon aura boréale. Et là, un coup que cette étape-là est faite, que votre morceau ici est fait, là, vous pouvez venir la créer. Donc là, on va prendre le blanc des Prismacolor et on va partir dans le centre. Vous voyez, ici, on a mis plus pâle. Je vais essayer de vous le montrer plus près parce que moi, je filme avec mon téléphone. Hein, je peux pas vous faire des zooms de fou. Donc, je vais juste vous montrer comme il faut. Vous voyez, ici, on a laissé une zone blanche. Donc, on va partir dans cette zone-là et on va vraiment étirer les couleurs comme ceci. On va y aller vraiment en ligne droite. On va pas faire ça comme ça, sinon ça vous fera pas l'effet. Faut vraiment étirer de cette façon-là et là, on va appuyer sur notre crayon. Donc là, on part dans le pâle et on va étirer. Donc, même si ça pâlit un peu au niveau de des couleurs foncées que j'ai mis, c'est pas grave. Ça va nous donner un effet lumineux. Et voyez, ça vient étirer le bleu un petit peu dans mon turquoise. Donc là, vous voyez, je reste dans le bas, hein, parce que je sais que si je monte trop, ça va me foncer un peu mon aura boréale et c'est pas ce que je veux. Donc, je vais venir l'étirer et au besoin, je viens nettoyer mon crayon blanc pour pouvoir, vous voyez, que ça reste blanc. Parce que si je le nettoie pas, tout le genre de bleu indigo va vraiment s'en aller dans le centre et c'est pas ce que je veux. Je veux que ça reste assez lumineux. Donc là, on se fout de l'étoile. Là. Je vais passer par-dessus, ça va aller plus vite. En temps normal, je l'aurais contourné. Là. Mais vous voyez, je vais vraiment m'en aller en ligne. Je fais exprès de d'étirer mes couleurs. Et là, ben, on va faire ça pour tout le colo, dans le fond. Vous passez votre petit pinceau pour enlever les petites traces. C'est optionnel, mais moi, j'aime bien le faire. Donc là, on a mis un aura boréale à ce niveau-là. Et là, peu importe hein, comment vous allez placer vos couleurs, ça va toujours vous faire des formes différentes. Donc là, ici, à ce niveau-là, je viendrai en rajouter une autre. Et là, avec le Lumocolor, dans le fond, ce que j'avais fait dans mon eau colo, c'est que j'avais fait juste quelques petites lignes au travers, comme ça. Vous voyez, le Lumocolor, il fait des petites lignes vraiment blanches, blanches, blanches. Et ça, c'est optionnel. Hein. Vous voyez que c'était très joli, même si on le met pas. Moi, je l'avais utilisé dans mon autre colo, donc c'est pour ça que je vous le montre. Et si je trouve que ça a trop foncé mon centre, ben je peux venir passer mon Lumocolor blanc et pâlir mon centre. Et si vous avez les All Bands et que vous avez le Soft White, là, ben c'est la même chose. Hein. Moi, parce que j'essaie de l'économiser, fait que je prends celui de celui-là. Mais voyez, ça m'a rajouté quelques petites lignes. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne. Voyez. J'ai vraiment étiré les couleurs. Et là, si je veux, il n'y a rien qui m'empêche de, avec mon Mint Blue, revenir un petit peu rajouter de cette couleur-là ici dans les bouts. Mais je vais encore une fois travailler en faisant un mouvement de ligne. Je vais pas y aller comme ça. Je vais vraiment rester comme ceci. Et même si c'est pas égal, c'est pas grave. C'est ça qui va nous donner l'effet de petite ligne de l'aurore boréale. Donc là, si je veux m'en rajouter un autre, ben je vais continuer mon combo, comme on avait fait dans le haut. On recommence. Donc, on prend notre Midnight Blue, parce que là, ici, bon, on avait notre couleur la plus foncée. Donc, là, je me dis, OK, ici, je vais en mettre une autre. Donc, là, je partirai mon aura boréale jusqu'au bout. Et après, je recommence. Je vais partir ici dans le bas. Ça va être plus facile pour moi de faire le dégradé, parce que j'ai de la difficulté à partir des couleurs les plus pâles. Hein. Vous savez, je commence toujours avec les couleurs les plus foncées. Donc, j'ai toujours plus de facilité à faire le haut de l'aura boréale. Mais bon, ça, c'est un détail. Il faut juste que vous faites votre combo en haut et en bas de votre aurore boréale qui est dans le centre. Je pense que c'est clair. Vous me direz si je suis pas clair, mais bon, je pense que même en voyant l'image, hein, ça vous dit quoi faire un petit peu. Donc là, je vais vous faire l'avance rapide pour que vous voyez un peu comment je placerai l'autre aurore boréale. Et je vous reviens, hein, ça va être le même combo, on fait toujours la même chose. C'est juste un peu pour que vous voyez la disposition de la façon que je l'aurais placé. Donc, je fais de l'avance rapide pour tout ce qui est la terminée, pour que vous voyez après ce qu'on va faire. Quand on a terminé, hein, bien sûr qu'une aura boréale, c'est dans la nuit. Donc, on va prendre pouce blanc ou stylo gel, hein, vous y allez avec ce que vous voulez.
Et bon, si vous avez des petites étoiles de même, moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est de prendre un stylo gel argenté, Uniball, peu importe, hein, un pentel hybride, et je viendrais faire ma petite étoile vraiment toute cette couleur-là. Je pense que ça pourrait être beau. Je la remplirais avec le stylo gel. Si vous avez aussi des aquarelles métalliques, vous utilisez ça pour venir remplir... quand vous avez... Surtout si vous faites du Anna Carlson, c'est sûr que vous allez avoir des étoiles ou des petits zigouigoui à faire. Donc moi, je les ferais comme ça, en argenté. Ou même en doré, ça aurait pu être beau, mais je pense qu'avec l'aurore boréale, c'est beau de mettre du argenté. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, hein. Je suis pas la chef des colos. Je vais juste vous donner des idées. Donc là, avec mon Posca blanc, ben quand j'aurais eu tout complété, ben on vient se faire des petites étoiles. Et là, bon, j'avais déjà des petits points. Donc, on peut en faire des gros, des petits. Et on s'en fout, hein? On passe par-dessus l'aurore boréale. C'est pas opaque, ça. C'est vraiment juste des couleurs dans le ciel. Donc, on peut venir mettre des étoiles au travers de tout ça. Donc, voilà. On va faire ça un peu comme ça. On va en mettre dans notre foncé. Vous pouvez faire des projections aussi avec la peinture si vous préférez avoir plus des étoiles... plus concentré, mais moi, je trouverais ça dommage de faire ça puisque vous allez travailler fort pour faire ça. Là, c'est pas pire, ça a été quand même rapide, on a fait de l'avance rapide puis tout ça. Mais si vous faites, mettons, une grande surface, ça peut être un peu plus long à faire. Donc, ça serait dommage de venir tout recouvrir avec des petits points blancs, mais bon, hein, comme je vous dis, à chaque fois, vous êtes maître de votre coloriage. Donc là, je vais continuer de faire... une petite partie pour que vous puissiez voir de la façon que je vais disposer pour repartir une autre aurore boréale. Et ben je vous reviens un coup que j'ai terminé ça. Donc là, vous voyez, hein, je vais y aller avec le Midnight Blue. Là, vous voyez ici, je veux que ça soit foncé quand même en haut de mon Midnight Blue. Donc, je vais venir me mettre, juste pour dire, un peu de Midnight Black. C'était bien ça, ouais. Un peu de Midnight Black. Mais pas beaucoup, parce que je veux que mon aurore boréale commence ici. Donc, on va en avoir juste une petite partie. Donc, ça, c'est à vous de choisir, hein, comment vous allez les disposer. Ça va vous donner des effets différents à chaque fois. Donc, ça, moi, j'étais bien fière de ce fond-là. Et je me suis dit, je sais pas, j'ai comme une petite intuition qu'on va me demander de le faire en vidéo. Donc, je vais l'intégrer au spécial fond. Donc, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire... en commentaire, si c'est quelque chose qui vous plaît. À la fin de la vidéo, vous pouvez toujours me dire lequel des trois fonds vous avez préféré. Là, vous savez un peu hein, ce qu'on va faire, puisque je vous l'ai montré. Habituellement, dans les spéciales fonds, ce que je fais, c'est que je vous... on improvise, on fait des fonds un peu à l'aveugle. Mais là, j'avais trois fonds que j'aimais bien, que je vous avais pas partagé en vidéo. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas... Donc là, c'est vrai, je vais arrêter de parler, je vais faire l'avance rapide parce que bon, il faut qu'on avance. Et je vous reviens après.
Donc là, un coup que j'ai fait cette étape-là, ben encore une fois, je peux venir avec mon Lumo Color Blanc et faire quelques petites lignes blanches pour donner un petit peu plus de forme à mon aurore boréale. Voilà. Là, vous voyez, j'ai pas fait attention au soleil. Si j'aurais eu l'intention de faire le colo, ben oui, c'est sûr que je l'aurais contourné. Mais bon, là, j'ai pas l'intention de terminer, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Et là, ben, il vous reste à mettre. Bon, là, je l'ai faite un peu grosse, hein. J'aurais pu la faire un peu plus petite. Il aurait fallu que je rapetisse mon combo. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est de venir mettre les petites étoiles un peu partout dans votre colo. Donc là, vous n'êtes pas obligé de les faire blanches aussi, hein, les étoiles. Vous pouvez faire des étoiles argentées, des étoiles en bleu métallique. Vraiment, vous pouvez vous amuser et voilà. Bon, moi, je vais les faire blanches, hein, je vais y aller avec le classique. J'en fais des grosses, des petites. Et je vais vous montrer aussi comment faire une petite étoile filante. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Parce que dans les aurores boréales, je trouve que ça fait beau. Donc là, ce qu'on va faire pour faire une petite étoile filante, on va prendre notre postcard et on va décider où est-ce qu'on va la mettre. Et tout simplement, là, vous allez voir, c'est pas compliqué. On fait une ligne et on vient tout de suite l'effacer et on va repasser une autre fois pour jusqu'à ce que on ait quelques petites. Vous voyez, ça nous fait plusieurs petites lignes. On le laisse pas sécher, hein. On vient tout de suite effacer pour, pas complètement, là, mais on va effacer un petit peu. Et là, vous allez jouer avec votre postcard jusqu'à temps que, la forme vous plaît. Et au bout de votre genre de filet, vous allez faire... Bon, là, mon postcard ne veut pas coopérer, bien sûr. Toujours la même affaire. Vous allez faire votre petite étoile. Donc, si vous voulez, vous la faites juste comme ça. Ou vous pouvez aussi venir lui faire quelques petites branches. Comme ceci. Voilà. Donc voilà pour le fond aurore boréale. Je vous en avais déjà fait un sur la chaîne. Par contre, j'avais fait avec, je pense, du bleu, du vert et du mauve. Mais là, j'avais envie de vous montrer celui-là parce que, j'étais fière de mon fond. Et je me suis dit, je vais le partager. Ça va leur faire plaisir, j'espère. Donc voilà pour notre fond numéro 1. Maintenant, nous allons passer au fond numéro 2. On va utiliser maintenant les Néocolor 2. Donc, on va reproduire le fond qui m'avait été demandé dans... ce livre-là, qui était le fond mauve. Et là, comme je vous dis, moi, c'était un fond raté que j'ai rattrapé. Donc, je vais faire de mon mieux pour essayer de vous le refaire quand même assez similaire, mais je vais essayer de l'améliorer. On va essayer de faire quelque chose encore plus beau, mais on va rester pareil avec ce fond-là. Donc, je prépare ce qu'il faut et je vous reviens. Bon, je vous reprends pas mal plus tard. J'ai dû arrêter la vidéo, j'avais plus de batterie, après ça, j'ai fait autre chose. Donc, finalement, je reviens en soirée pour le spécial fond. Donc là, je vous avais dit qu'on allait faire un semblant de ce fond-là, hein, puisque ça, c'était un fond raté. Donc, j'ai fait un peu de... j'ai essayé de le reprendre du mieux que je pouvais. Donc, on va essayer de se fier à ça, mais on va essayer de l'améliorer. On va essayer de faire un plus beau fond. Donc là, je suis encore dans le Jerry Lee Books. C'est pas comme ça que ça se dit, mais bon. La boîte à bijoux d'Anna Carlson, je l'ai en double. Donc celui-là, je l'ai gardé pour vous faire justement des spéciales fonds, des petits tutos. Donc, on va commencer. Là, je me rappelle plus du tout comment j'avais fait ça. C'était avec les Néocolor 2, ça. En tout cas, je sais que c'est ça. Et là, mon nuancier des Néocolor 2, il est ici. Dans mes petits trucs que ma copine Mimi m'avait envoyé. Donc, je vous avais dit qu'il y avait des teintes que je pense que je vous ai pas montrées. J'avais fait les premières avec vous. Je pense que c'était dans un vlog. Je les avais achetées à l'unité chez HM. Et je suis allée chercher trois autres teintes, mais je sais pas si je vous l'avais montré. Mais bon, c'est pas grave. Je vous le remontre au cas où. Donc, j'avais été chercher le rose numéro 81, mais celui-là, c'est un métallique. Mais c'était le seul qui tirait vers un vieux rose que je voulais. Donc, j'ai pris lui. Sinon, vous savez, j'avais pris, si vous vous rappelez du vlog, là, si vous me suivez régulièrement, j'avais pris dans mes teintes le sépia et bon, c'est gris, hein, c'est pas brun. Moi, je pensais que c'était brun. La fille à color, elle connaît pas ses couleurs. Mais bon, je suis allée chercher vraiment après des vrais bruns parce que j'ai bien vu que le sépia, c'était pas brun. Donc, j'ai la boîte de 40 plus
les quatre ici que j'ai acheté à l'unité et les trois ici. Donc, si vous avez juste la boîte de 40, j'espère que vous allez arriver à me suivre quand même parce que je vais utiliser le rose 81. Il me semble bien que je l'avais utilisé dans mon autre colo. Donc, bon, je vais vous montrer comment j'ai fait. De toute façon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des Neocolor 2. Vous pouvez utiliser d'autres matériels ou des couleurs similaires. Hein. C'est juste un peu comment je vais faire le fond. Vous pouvez le faire d'une autre couleur. Voilà. On va y arriver. Donc, là, je vais préparer mes teintes pour faire le fond que j'avais fait. Je vais prendre le bleu indigo. Celui-là, je l'ai acheté à l'unité, donc il n'est pas dans la boîte de 40. Je vais prendre le aubergine numéro 99. Ce n'est pas dans la boîte de 40 non plus. Où es-tu, petit numéro 99? Je ne te trouve pas. J'aurais dû faire ça avant, hein? Mais bon, comme j'ai arrêté la vidéo, j'ai fait autre chose, j'étais pas préparée. Ok, donc celui-là, c'est l'aubergine. Donc, on va prendre ces deux-là. Ensuite, on va y aller avec le violet pourpre. Donc, lui, vous le retrouvez dans la boîte de 40. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir la grosse boîte aussi. Donc, si vous avez la grosse boîte, j'imagine que vous avez toutes les teintes dedans, je sais pas. Donc, celui-là, c'est le numéro 100. Ensuite, je vais terminer ça avec mon rose numéro 81, là, ma petite couleur métallique qui fait un peu vieux rose. Donc, je vais y aller avec ces teintes-là. Et on va aussi utiliser de l'aquarelle parce que d'après ce que je peux voir dans mon colo, j'avais utilisé de l'aquarelle et... J'avais utilisé aussi ce Posca-ci, le Posca-brosse, vous savez, hein, je vous l'ai montré souvent dans la période d'Halloween. Donc, j'avais utilisé ça pour faire mon fond. Si vous n'avez pas ce Posca-là, c'est pas nécessaire pour faire le fond. Vous pouvez utiliser que de la peinture acrylique ou un gros Posca. C'est juste pour, à la fin, on y refaire quelques petites lignes blanches là pour rajouter un peu dans le colo. Et je vais aussi utiliser la palette ici de Deco Time qui m'avait été envoyée par une copine. Pour mon anniversaire, et c'est les petites teintes comme ça, là, vous voyez, les petites teintes rose mauve. Donc, je vais probablement, dans mon colo, j'avais utilisé celle-là et celle-ci. Donc, c'est ça ce qu'on va avoir de besoin pour faire notre colo. Et on va aussi avoir besoin, bien sûr, d'un pinceau. Donc, on va commencer par apposer nos couleurs. On va commencer par la couleur la plus foncée. On va prendre le bleu indigo. Et d'après ce que je peux voir, ce que j'avais fait... C'est que j'avais commencé à mettre foncé en haut et en bas, mais là, comme je vous dis, je vais l'améliorer un petit peu, mais je vais quand même respecter le fond, puisque c'est ce que vous vouliez voir. Donc, on va utiliser notre petite technique du barbeau, toujours, avec le néocolor. Donc, je vais vraiment venir mettre complètement ma couleur foncée. Et là, comme je vous dis, si vous n'avez pas les mêmes teintes que moi, c'est pas grave. Vous pouvez même aquareller... les petites cracking arcs, vous savez, je les avais présentées, je crois que c'était le mois passé. Ça, vous pouvez les aquareller. Et il y a beaucoup de teintes dans ces crayons-là. Donc, je pense peut-être que vous pourriez trouver. Sinon, hein, il y a tout plein de matériel aquarellable. Vous pouvez même le faire avec des Derwent Intense, avec les Albrecht Dürer. Hein. Je pense que vous allez être capable de retrouver des teintes dans ce style-là. Même l'aquarelle, ça pourrait être faisable. Moi, je suis pas encore assez habituée pour faire ça avec l'aquarelle, mais bon, ça pourrait se faire. Donc, voilà. Alors, sinon, vous pouvez utiliser d'autres teintes. Vous allez juste prendre des teintes. Vous avez vu, hein, j'ai pris du plus foncé au plus pâle. Bon, peu importe, hein, on peut le faire dans le turquoise, on peut le faire dans le bleu. Vraiment, la couleur, c'est pas important. C'est vraiment la façon qu'on va placer nos couleurs. Donc, vous voyez, là, j'ai fait mon haut en foncé. Et après ça, je vais venir faire d'autres petites lignes comme ceci. C'est ça qui va faire que quand je vais aquareller, ça va me donner... des petites lignes comme vous avez vu dans mon autre colo. Donc là, je vais faire la même couleur dans le bas. Donc, je viens tout colorier dans le bas de mon colo. Et bon, même si vous n'avez pas ces aquarelles-là, vous pouvez utiliser d'autres aquarelles. Pas de problème. C'est juste que moi, j'utilise le matériel que j'ai, hein, bien évidemment. Donc, je pense que vous allez être capable de le reproduire même si vous n'avez pas les mêmes choses. C'est ça que je voulais dire. Et j'ai l'impression de répéter 10 fois la même affaire. Même si je pense que vous avez déjà compris. Donc, je sais pas hein, si je fais vraiment des barbeaux. Je fais plus des lignes, finalement. Parce que je veux que ça reste en ligne.
Et ça, ça peut être super beau aussi, ce genre de fond-là. Si vous avez envie de faire un fond hivernal, vous allez utiliser, mettons, un bleu indigo. Après ça, vous allez vous en aller dans un bleu un petit peu plus... vous savez, un genre de bleu, là, je vais vous montrer. Un genre de bleu comme ça. Non, pas comme ça. Attendez. Vous y allez avec, mettons, un indigo. Vous y allez avec lui. Vous allez avec lui. Après ça, vous pouvez utiliser un genre de petit bleu ciel comme ceci. Et là, vous venez placer vos couleurs de cette façon-là. Après ça, vous prenez votre blanc. Pareil comme on va faire. Vous allez venir faire des petites lignes. Vous rajoutez plein de flocons de neige là-dedans. Et ça vous fait un beau fond de Noël. Et vous pouvez rajouter aussi de l'argenté avec de la peinture... de l'aquarelle ou même de la peinture acrylique, hein, ça peut fonctionner aussi. Donc, ça peut être une bonne idée de la façon qu'on va le travailler, là. Ça pourrait faire un beau fond hivernal. Petite idée comme ça au passage. Donc là, on va y aller avec le aubergine, le numéro 99. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer dans la couleur du haut. Et moi, je veux que ça soit vraiment foncé dans le haut. Donc, je vais vraiment passer par-dessus, je vais tout remplir pour que, à ce niveau-là, j'ai comme deux teintes de mauve, mais mélangées et que ça reste quand même assez foncé. Donc, je les descends. Vous voyez, je fais juste des petites lignes comme ça. Je ne m'applique pas, hein. Je ferai ça assez rapidement. C'est vraiment avec le pinceau qu'on va travailler. Là, j'espère que ça va pas mal donner la même affaire que mon colo. Mais ça fait longtemps que je l'ai fait et je me rappelle pas ce que j'avais fait parce que j'avais commencé un fond et puis je l'aimais pas. Donc, je me suis dit, je vais essayer de le travailler un peu. Donc, c'est un peu un fond rattrapage qui finalement a bien tourné. Et là, ben moi, je m'attendais vraiment pas à ce que les gens l'aiment et ils veulent le voir en vidéo. Je m'étais dit, oh, il est raté, il n'y a pas personne qui va trouver ça beau, ce fond-là. Donc, j'avais pas écrit mes couleurs, j'ai pas écrit non plus. Je sais que j'ai mis ces aquarelles-là parce que je voulais absolument les utiliser dans mon colo. Mais pour le reste, je sais pas si c'était vraiment du néocolor. Mais bon, je pense que ça va faire la même affaire là, de le faire avec le néocolor. Là. Je pense même qu'il y avait de la peinture acrylique au travers de ça pour essayer de le rattraper. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va être capable de le réaliser de cette façon-là. Je me répète beaucoup, hein. En soirée, je sais pas, je suis plus ma mère. Donc là, j'hésite pas à mettre quand même pas mal de pigments ici dans le bas parce que je veux vraiment que ce soit foncé à ce niveau-là. Et bien, ça va me faire un beau mélange de couleurs, je pense. Ensuite, on va y aller avec le violet pourpre qui est le numéro 100. Donc, celui-là, vous le retrouvez dans la boîte de 40. Les deux autres avant, non. Donc là, on va en mettre un peu moins de pigments. On va pas trop entrer dans le haut. On va plus se concentrer sur le bas. Et encore une fois, on fait des petites lignes, comme ça. Donc, on va descendre un petit peu plus. À certains endroits. Et là, tout dépend hein, de l'espace que vous avez. Là, moi, j'ai pris une grande feuille comme ça, là, pour que ce soit plus facile de vous le montrer. Il n'y avait pas grand-chose à contourner, hein. Et ben, si vous le faites sur une plus petite surface, ben là, ça va être à vous de choisir où est-ce que vous voulez descendre vos couleurs, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme effet, est-ce que vous voulez plus de foncé dans le haut ou pas. Donc ça, c'est vraiment au choix. Donc on se casse pas trop la tête, on vient colorier rapidement, on fait des lignes un peu plus longues, d'autres un peu plus courtes, on mélange dans nos couleurs précédentes. Mais toujours en ligne droite. Ensuite, on va y aller avec le rose, qui est un métallique. Celui-là, je l'ai acheté à l'unité, donc vous ne l'avez pas dans la boîte de 40. C'est le numéro 81. Et là, encore une fois, ben, on va venir se rajouter des lignes. Mais là, cette fois-ci, je vais vraiment faire une grande ligne comme ceci. C'est vraiment pas trop long à faire. Et j'espère que ça va vraiment fonctionner parce que là, je suis pas sûre. Comme ça, ça a l'air de rien, mais des fois, c'est vraiment au moment d'aquareller là, qu'on voit le travail. C'est vraiment qu'on va aquareller, qu'on va faire plus attention à comment on va placer nos couleurs. Et l'aquarelle, je vais la mettre après, quand j'aurai aquarellé mon néocolor. Je vais pouvoir voir où est-ce que je peux l'appliquer. Et puis, même chose pour le Posca. On va le mettre quand on va avoir fini d'aquareller ça.
Et là, je vais mettre quelques petites lignes comme ceci au travers, comme ça, pas plus que ça. Et là, on fait une prière, toujours, avant d'utiliser notre pinceau. Je vais utiliser une petite lingette, hein, comme ceci. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais, là? Je vais regarder ça avant, je vais mettre plus ici. OK. Donc, ouais, c'est ça. Fait que là, on va prendre un pinceau réservoir d'eau parce que j'ai pas trop envie de me casser la tête. J'aurais pu prendre mes beaux pinceaux. Je prends-tu mes beaux pinceaux? Parce que l'autre, je l'avais fait avec ça. Ouais, je vais prendre mes beaux pinceaux. On prendra pas de chance, on va mettre toutes les chances de notre côté. Je vais utiliser mes Fumio. Puis je vais prendre quand même un pinceau assez large. Ça va aller beaucoup mieux pour aquareller. Donc là, je vais vous dire le numéro du pinceau. Ça va être celui-là. On va prendre un numéro 10. Je pense qu'il est 9, oui. Donc là, je vais aller chercher mon petit pot d'eau. Et voilà, petit pot d'eau. Et vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à me demander où est-ce que j'ai pris ce petit pot-là, mais c'est un cadeau de ma copine Mimi. Et elle avait pas acheté sur Amazon, elle avait acheté en magasin, donc je peux pas vous mettre le lien malheureusement. Mais sur Amazon, vous en avez similaires, mais ils n'ont pas de couvercle. Donc c'est Faber-Castell hein, qui les fait. Ceux que moi j'ai vus, je sais qu'il y a d'autres marques, là, mais ceux qui sont bien, c'est ceux de Faber-Castell. Il y a ma copine Simone qui les montre souvent dans ses vidéos. Ils sont super parce que vous pouvez les rétracter vraiment. Vous pouvez les serrer tout pliés. Donc, je vous mettrai le lien, mais pour ceux-là, là, impossible que je vous mette le lien. J'ai regardé sur Amazon et il n'y en a pas. Ben, je vous le dis parce qu'on me le demande souvent quand à chaque fois que je sors mon petit pot d'eau. Dans les commentaires, j'ai tout le temps des gens qui me disent « Viens d'où ton petit pot? Peux-tu nous donner le lien? » Mais non, je peux pas parce que c'est un cadeau et ça vient dans deux magasins. Donc, j'ai pas trouvé sur Amazon. J'ai cherché hein, pour vous, mais j'ai pas trouvé. Donc, on revient à nos moutons, les amis. J'ai mis de l'eau sur mon pinceau et là, je vais aquareller, hein, bien sûr. C'est ça le but du travail. Et je vais essayer de rester vraiment en faisant des lignes, vous voyez. Je vais faire des lignes comme ceci. Et là, j'ai l'impression que je suis en train de faire une catastrophe. J'ai pas l'impression que ça donne comme mon autre fond, mais bon. Hein, on va commencer par le faire avant de dire que ça marche pas. Là, j'ai pas l'impression de faire ça comme faut. Même si je remonte, vous voyez, j'ai avec les Intense, là, je vous aurais fait ça super facilement. Mais regardons, les néocolores, j'ai la difficulté à les dompter. Donc là, vous voyez, hein, je vais jouer avec le pigment. Je vais essayer de reproduire ce qu'on avait dans l'autre colo. Je vais descendre un petit peu. Ouais, je pense que je vais le faire comme ça. Là, au début, je faisais des va-et-vient, là, mais... Je pense que c'est mieux de le descendre. Donc, j'hésite pas à venir souvent rincer mon pinceau. Donc, on essaie de faire des belles lignes droites. Pas toujours évident. Et là, je vais remonter certaines fois. Vous voyez, je fais en haut, en bas, en haut, en bas. J'essaie de mélanger... mes couleurs ensemble. Là, pour l'instant, ça ressemble à rien, hein, mais il va falloir venir travailler avec les aquarelles métalliques et le Posca blanc. Parce que je vous dis, j'avais vraiment fait ça comme ça et après ça, je me suis dit non, ça va pas. Et j'ai rattrapé le coup avec les aquarelles et puis le Posca. Donc là, même chose, hein, on va faire des lignes. Vous voyez, je fais en haut, en bas, en haut, en bas. Et je viens rincer souvent à l'occasion. Souvent à l'occasion, ça se dit pas. Je viens rincer mon pinceau. Bon, là, je fais pas attention à mon élément. Parce que moi, je m'en fous, je vais pas le colorier. Si vous faites ça dans un colo, il va falloir faire un peu attention à ce qu'il y a dans le centre. Et là, on se préoccupe pas du centre tout de suite. On va le faire après. On fait juste commencer par aquareller ça. Si vous avez du drawing gum, c'est encore mieux. Pas besoin de contourner l'élément. Et là, je pense qu'il est pas mal plus foncé que mon autre, mais bon. On va
va régler ça après. De toute façon, le néocolore, hein, c'est pas comme les Derwent Intent. On peut venir retravailler, donc ça, il n'y a pas de problème là-dedans. On va rectifier tout ça après. On va commencer par se faire une petite base. C'est pas comme ça que j'avais procédé pour mon autre, mais je pense que ça va être mieux de cette façon-là. Donc là, je vais venir étirer. Hein. Je me fous un peu de mon de ma bague. Et là, imaginez-vous qu'il y a du drawing gum dessus. Je vais l'enlever après. Donc là, je viens encore repasser. Essayer un peu de légaliser tout ça. Donc là, je vais juste mettre de l'eau sur mon pinceau après avoir fait ça. Et je vais juste faire quelques petites lignes. Ça va me donner d'autres petits effets dans mon fond. Ça va faire ressortir un peu le genre de rosé qu'on avait mis. Là, s'il reste du blanc, c'est pas grave parce qu'on va venir en mettre avec notre pose 4 du blanc. Donc là, j'ai juste remouillé mon pinceau. Hein. J'ai pas repris de pigment. Peut-être protéger la page aussi. Hein, si vous avez des éditions Gibb Smith, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Parce que, bon, étant donné qu'on vient jouer avec l'eau, des fois, c'est peut-être mieux de protéger les pages. À moins bon, que ça vous dérange pas, que ça gondole un peu. Là, je vais tirer le haut un peu. Là, j'ai un peu trop d'eau. Je vais l'essuyer. Ah non! On l'essuie pas. Faites pas ça. Ça défait les lignes. Donc là, je vais juste les reprendre. Et là, on va monter un peu. On le travaille, hein, dans le fond. Là. On travaille, on travaille. OK, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser sécher pour l'instant. Et on va utiliser un petit peu de blanc. Je pense que c'est ça que j'avais fait. On va utiliser le blanc des néocolores pour venir faire notre centre. Et on va aussi utiliser le pose cap pour venir faire le centre. On va toujours travailler en faisant des lignes. Et après, on va venir pouvoir venir mettre notre aquarelle métallique. Donc là, j'attends que ça s'assèche. Et en plus, quand ça va sécher, ça va vraiment me donner la bonne couleur. Parce que tant que c'est pas sèche, on voit jamais la vraie couleur. Donc, je vous reviens un peu que c'est sèche, les amis. Presque sèche. C'est pas complètement sèche, mais on voit quand même bien la couleur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le néocolore blanc. Et bon, je vais m'assurer que je ferai pas de trou dans ma feuille. C'est pour ça que j'attendais que ça sèche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques petites lignes blanches dans le centre. Parce que le centre, je le trouve trop foncé. Et si je veux suivre un peu le colo que j'avais fait, le fond que vous vouliez voir, c'était plus pâle dans le centre. Là, je vais devoir éplucher un peu mon truc, je pense. Oh non, OK. Donc, on va venir colorier. Et je vais l'aquareller un petit peu après. Donc, assurez-vous que votre feuille est vraiment bien sèche pour être certain de ne pas faire de trous dans votre feuille si vous venez colorier comme ça. Donc là, je m'en fous, hein, même si je vais un petit peu ici, c'est pas grave. Donc, je vais vraiment faire des petites lignes avec le blanc. J'espère que vous les voyez bien. Je pense bien que oui. Je vais regarder. Ouais, vous les voyez bien. Donc, on va vraiment bien pâlir le centre. Et j'avais pas vraiment procédé de cette façon-là hein, quand j'avais fait mon autre. J'aurais dû procéder de cette façon-là parce que je pense que j'aurais eu moins de difficultés. Je vous dis, j'ai vraiment travaillé pour essayer de le rattraper parce que c'était un duo ce colo-là. Et j'étais dégoûtée parce que je me disais, je l'ai raté. Donc, j'ai essayé du mieux que je pouvais de rattraper le fond. Et ben je m'étais pas vraiment pris bien pour le faire. Donc... je me suis dit, ben, ça va me permettre de faire un deuxième essai si je le fais en vidéo avec vous. Donc là, on met du blanc, hein, on n'hésite pas à en mettre. Et là, on va venir aquareller le blanc.
Donc, on va essayer de rester dans le centre. Hein. On va juste, pour dire, passer par-dessus. Et après, je vais venir utiliser le Posca pour rajouter d'autres petites lignes blanches. Donc là, ça nous pâlit le centre un petit peu. OK. Donc là, je vais mettre mon pinceau de côté et je vais utiliser mon Posca blanc en brosse. Je vais juste le brasser pour être certaine. Je vais lui rajouter un peu de peinture. Et là, j'espère qu'il fonctionne bien. Oui, OK. Donc, on va lui aussi, avec lui, faire des petites lignes blanches. Et ça va être plus opaque qu'avec le néocolore blanc, je trouve. J'ai pas donné assez de jus. Je pense qu'il commence à être vide en plus. J'ai tellement utilisé à Halloween. Là, j'ai en racheté un autre. Donc. N'as-tu dedans ou pas, là? Si ça fonctionne pas, je vais prendre la peinture acrylique. Mais bon, j'ai décidé de prendre lui parce que ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, je me rajoute des petites lignes blanches. Et je reste vraiment dans le centre, hein, comme vous allez pouvoir. Je vais pas vraiment en bas. Quelques places, je vais remonter un petit peu, mais pas tant. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus de... plus de peinture dedans parce que on dirait qu'il crie pas. T'as pas de travailler là. Ok, je pense que le centre va être bien beau comme ça. Bon, l'autre, je pense que j'avais monté un petit peu plus mon rose que ça, mais bon. C'est pas grave, hein? Ça fait l'effet. On va se servir de toute façon de l'aquarelle métallique. Et là, on va utiliser... Parce que je veux que ça soit juste un petit peu plus foncé à ce niveau-là. Donc, je vais commencer avec celle-là. Et je vais aussi mettre de L et L. Donc, on va commencer par la plus foncée qui est L. On va bien activer. Je sais que c'est pas comme ça qu'on active l'aquarelle. Mais bon, on y va avec ce avec quoi on est à l'aise et moi ben, je le fais comme ça. Donc je vais bien mettre de pigment dans mon pinceau et là je vais vraiment partir dans le haut et je vais faire des lignes. Qui descendent. Je peux même partir ici, là, si vous êtes plus à l'aise, allez, faites-le comme vous le sentez. Et je vais faire la même chose dans le bas. Moi, j'aurais tourné mon livre en temps normal, parce que vous voyez, j'ai moins de difficulté à le faire à partir du bas. Mais là, bon, pour la vidéo, je l'ai fait comme ça, mais je trouve que je l'ai réussi mieux en bas qu'en haut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va remettre un peu d'eau parce que c'était pas mal sec. Et là. Ok, là, je regarde mon colo. Je vais peut-être lui faire quelques petites lignes comme ceci. Un peu comme ça. Et là, on va changer de couleur d'aquarelle. On va utiliser le genre de petit rose ici. Est-ce que vous la voyez? Oui, OK. On va utiliser le petit rose ici. Mais bon, on va avoir besoin d'eau. Il est vraiment beau, lui, le petit rose pailleté. Là. Je le trouve vraiment beau. Et là, celui-là, je vais me concentrer dans le centre. Je vais en mettre
dans le centre. Je vais en mettre au travers un petit peu. Je fais juste des petits coups de pinceau, hein, vous voyez, je fais juste des lignes comme ça. Et là, ensuite, bon, on va venir mettre un peu du genre de violet ici. Ben, pas violet, c'est un lilas. Je ne connais plus mes couleurs, les amis. Et là, lui aussi, on va le mettre dans le centre. Donc, un petit peu. On va peut-être en mettre un petit peu au travers de ceux-là. Donc voilà, et là on va serrer à l'aquarelle métallique. Et je pense vraiment que j'avais utilisé la peinture acrylique parce que j'arrive pas à faire mes lignes blanches que j'ai fait dans mon autre colo. Donc on va sortir de la peinture acrylique parce que je veux vraiment vous le faire le plus ressemblant possible. Donc on va se prendre un peu de peinture acrylique blanche et on va venir se faire juste quelques petites lignes blanches parce que ben, c'est ce que j'avais fait dans mon autre colo. Donc, je prends peinture blanche, acrylique, hein, n'importe quelle, si ça fait l'affaire. Il n'y a pas de marque. Moi, je trouve que ça se ressemble tout. J'ai dit quelque chose sur la mettre? Oui, ok. On va prendre celui-là. Mon petit récipient que j'ai récupéré. On va la brasser et pas beaucoup. Hein. On va s'en mettre juste un petit peu. Et on va venir se faire des petites lignes blanches. Je pense qu'avec la peinture acrylique, on va vraiment les avoir blanches. Là, je ne veux pas en avoir trop hein, sur mon pinceau parce que je ne veux pas que ça me fasse trop des grosses marques. Et là, bon, d'après ce que je me fie à mon colo, j'avais fait, juste pour dire, des lignes au travers blanches comme ceci. J'ai envoyé trop plus facile. Hein. On va travailler peut-être avec le doigt. On va faire des petites lignes comme ça. Au doigt. Et les atténuer un peu. Ok, donc pas plus que ça pour la peinture acrylique. Je pense que ça va être bien beau de cette façon-là. Puis là, ben, je vais juste repasser un peu dans mon centre avec de l'eau, juste avec de l'eau pour que ça soit encore plus plus pâle dans le centre. Vraiment fondre les lignes et que les lignes soient beaucoup plus marquées dans le haut. Donc voilà. Bon, ben moi, j'aurais tendance à le laisser comme ça. Par contre, on va attendre encore une fois qu'il sèche et on va venir lui rajouter un petit peu de des petits points blancs juste pour agrémenter. On pourrait même utiliser du Winsor & Newton argenté, doré. Je vais penser à ça, lequel qu'on va mettre dessus parce que je pense qu'on va vraiment, on va le faire. Je pense que ça va être beau. Je l'avais pas fait dans mon autre colo, mais bon, c'est une version améliorée. Vous me direz si vous préfériez, je vais vous le montrer, de toute façon, on va les mettre un à côté de l'autre quand lui va être terminé. Vous me direz laquelle version vous avez préférée, mais c'est pas évident de refaire des fonds qu'on a déjà fait avec de la peinture. Des fois, surtout quand j'écris pas ce que j'ai fait, parce qu'il y a une teinte que je semble ne pas avoir mis dans lui. J'ai une teinte un petit peu plus rose dans l'autre. Je sais, je me rappelle pas c'est quoi j'avais utilisé. Mais bon, j'aime bien celui-là. Moi, je trouve que j'aime mieux lui que l'autre. Donc, vous me direz vous ce que vous en pensez. Donc là, je laisse sécher encore une fois. Et ben, je vous reviens. Je crois qu'on va mettre. Ouais, on va mettre du Winsor & Newton et on va se faire quelques petits points magiques au travers de ça. Donc, c'est presque sèche. C'est pas complètement sèche, mais bon, faut avancer. Là, on va prendre un pouce câblant et tout simplement, on va venir faire
des petits points blancs, et bien souvent dans les anacardones, il y en a déjà, donc on a juste à les retracer. Donc on va se faire des petits points ici, je vais me fier à ceux qu'il y a déjà. Et là, à certains petits points, on peut venir se faire des petites étoiles. On va faire comme si ça brillerait dans le colo. Je vais faire juste des petits X sur mes points. Là, d'autres petits endroits. Bon, on peut faire juste des petits X aussi, faire un petit effet magique. Donc voilà, et là, pour terminer, je vais prendre finalement du Winsor & Newton argenté. C'est rare, hein? Vous pensez que j'allais opter pour le doré. Mais bon, avec cette couleur-là, j'aime bien aussi des fois mettre du argenté, ça fait changement. Donc là, ce qu'on va faire, on prend deux pinceaux, hein? Vous m'avez vu souvent faire ça. Et je vais faire tout simplement tomber en petites gouttelettes le Winsor & Newton. Donc là, je l'ai brassé parce que si vous ne le brassez pas, les pigments restent tout dans le fond et ça ne brillera pas. Donc je prends quand même un gros pinceau et avec un autre pinceau, je vais venir faire tout, 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 et ça va faire tomber tout plein de petites gouttelettes. Et là, je vous mets de la musique parce que c'est fatigant quand je fais ça. Donc voilà, pas plus long que ça, les amis. On a terminé le fond. Je vais vous montrer l'autre. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je préfère celui-là. Et là, il faut que je mette ça à laver. Je vais les mettre dans mon petit fond d'eau. OK, donc là, on va mettre l'autre à côté. Bon, c'est différent un petit peu, hein, mais bon, comme je vous ai dit, ça, c'était un rattrapage, donc c'était pas facile à refaire. Mais moi, je préfère lui. Je trouve que c'est mieux réussi. Là, je vais les bouger les deux pour que vous puissiez les voir. Pas évident de bouger deux lignes en même temps. Donc là, quand le Winsor & Newton argenté va sécher, ça va vraiment bien ressortir. Je vais vous montrer de toute façon, tant qu'on fasse l'autre fond, il va être sèche. Donc c'est assez ressemblant, hein? Vous me direz ce que vous en pensez, lequel vous préférez entre les deux, mais bon, j'ai pas réussi à refaire lui. Je sais pas ce que j'avais fait vraiment. Je pense que j'avais mis beaucoup plus de blanc dans le centre, donc peut-être faire ça. Et je crois que j'avais mis une teinte un petit peu plus rosée. J'avais parti du mauve et j'avais vraiment mis du rose dans le centre, donc tout ce que lui, on est resté un petit peu plus dans le mauve. Donc, comme je vous dis, vous pouvez le faire de n'importe quelle couleur, hein, pas obligé que ce soit du mauve. Donc voilà pour lui, là, on va le mettre à sécher le temps qu'on va faire notre prochain fond, ben, pour pouvoir le regarder après. Donc là, le fond le plus facile, les amis, ça va être le fond que vous avez énormément aimé, que j'avais fait pour Octobre Rose, et c'était celui-ci. Je l'ai fait au pan pastel et vous allez voir, c'est super facile à faire. C'est une affaire de 2 minutes. Donc, je vais vous le partager. Donc, on va sortir cette fois-ci le Magic Cool Down. Livre de test, bien sûr, pour faire ça. Donc, on va utiliser le petit signe ici. J'enlève ça. Et là, je vais chercher du papier toilette, les amis, parce que je fais aussi mes pan pastel avec ça. Donc, j'ai été chercher mon petit papier de toilette et là, ben, ce que je vais faire, vous m'avez vu ça aussi souvent le faire, je me prends un petit morceau, je vais l'enrouler une fois et je le mets après mon doigt comme ceci. Donc, ça me fait un genre de petit embout et je trouve qu'en prenant ça, ça garde beaucoup plus le pigment, il est beaucoup plus foncé avec un papier de toilette, tout simplement. Donc là, je vais vous dire les teintes que je vais utiliser. Il n'y en a que 3. Donc, on va commencer avec le Magenta Extra Dark, qui est le 430.1. Ensuite, on va aller avec le Magenta Shade, qui est le 430.3. Et ma couleur la plus pâle va être le Magenta Teint 430.8. Donc, on reste dans le magenta. Hein? Donc, là, j'ai fait des miettes. OK. Donc, on commence par la couleur la plus foncée. Est-ce qu'on commence par la couleur la plus foncée? Non, je vais commencer par la couleur la plus pâle. Désolée les amis.
Le 430.8, magenta 5, donc je viens chercher le pigment directement, comme ceci. Et ce que je vais faire, mon ami, très très simple, on va se faire des petits nuages. Donc je vais faire attention de garder quand même du blanc. Parce que dans mon fond de mon autre colo, j'avais pas tout rempli. J'avais gardé des espaces blancs. Donc je fais juste des petits spots comme ça. En tournant un peu mon papier toilette finalement. Je vais tournoyer. Je vais étendre un petit peu plus à certains endroits. Je pars toujours sur le côté de la feuille et je viens doucement dégrader en faisant juste des petites taches. Je tournoille mon papier et voilà. Donc là, ça serait notre première étape. Donc ça fait la couleur la plus pâle. Ensuite, on va y aller avec celle-ci qui est le 430.3 Magenta Shade. Et là, je vais retourner mon papier pour pas mélanger les couleurs. Donc encore une fois, je vais venir directement chercher le pigment. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me fier un peu à ceux que j'ai déjà fait, mais je vais rester comme dans le bas. Donc je pars ici et je me fie à ceux que j'ai fait. Donc je fais des petites taches. Il peut en avoir des grandes, des plus petites, c'est pas grave. On fait quand même attention de garder du blanc dans la page, c'est ça qui va donner l'effet qu'il y avait sur le colo, finalement. Et là, encore une fois, je fais pas attention au signe. Je m'en fous. Je vais pas le terminer. Et là, les amis, bien sûr, on va devoir fixer ce colo-là. Hein. Si vous faites... Si vous refaites ce fond-là et que vous utilisez les pastels, les pannes pastels, faut les fixer parce que sinon, ça va pas rester sur votre colo. Donc là, je peux venir me rajouter quelques petites taches, comme ceci. Et je fais attention de ne pas tout remplir la feuille. On garde du blanc entre chaque petite ligne. Et là, je vais prendre un papier propre. Et je vais venir un peu atténuer celui-là. Parce qu'il y a des endroits qui est un peu trop foncé. Donc, je vais venir le frotter un peu. Juste à certains endroits. Pas toutes. Il y en a que je vais garder un peu plus foncé. Je vais venir un peu corriger. Je fais toujours un mouvement circulaire en étendant en ligne. Comme vous voyez, hein, j'ai fait des petites lignes. Ensuite, un coup que j'ai fait ça, je me reprends un autre papier, un propre. Et je vais prendre ma couleur la plus foncée cette fois-ci, qui va être le 430.1 Magenta Extra Dark. On vient chercher encore une fois le pigment. Et là, cette fois-ci, on va refaire vraiment nos couleurs les plus foncées. Et là, je vais y aller un peu plus lentement. Des fois, je vais juste tapoter et je vais descendre en petite ligne. Donc, toujours, hein, je me fie à celle que j'ai mis déjà. Là, je viens frotter un petit peu. Et là, ben, c'est à vous de décider comment vous allez placer vos petits tournoyers. Je sais pas trop comment appeler ça. Et là, on souffle, hein, on frotte pas. Et quand il y a des endroits que je trouve pas bien placé, ben je tourne mon papier, je le prends propre et je viens juste pour dire retravailler. Et là, ben avec celui-là, c'est là que je vais vraiment plus structurer. Donc, je vais faire quelques petites taches ici. Vraiment, vous pouvez jouer avec le pigment. C'est à vous de décider comment vous allez placer vos couleurs, dans le fond. Donc, vous voyez, c'est vraiment... mettre un peu plus foncé et je vais dégrader doucement avec ce qui reste sur le papier. Je le revire pour avoir un côté vraiment propre et je vais venir corriger un peu ici parce que je trouvais que c'était pas, c'était pas bien placé comme je voulais. Et là, ben, c'est sûr que tout dépend comment vous allez placer vos petits nuages. Au fond, on va appeler ça des nuages. Ben, ça va vous donner des effets différents, c'est certain. Là, je les ai pas placés exactement comme sur mon autre colo, mais c'était les mêmes couleurs. Donc, vous voyez, hein, que je fais exprès. À certains endroits, je vais atténuer un peu plus mon pigment et à d'autres endroits, je vais mettre vraiment, je vais plus le marquer.
Donc, c'est ça qui va me faire un peu les nuances dans le colo. Donc là, je reprends un papier propre. Et là, où est-ce qu'il y a des endroits comme ça, là, vous voyez, c'est un peu poudreux. Je vais venir juste corriger un petit peu. Je vais étendre. Vraiment bien plaquer le pigment sur la feuille. Et vous voyez, j'ai laissé du blanc. C'est ce que j'avais fait dans l'autre colo. Il n'y a rien qui m'empêche de venir retravailler un petit peu mes nuages. Voilà. Et ensuite, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris le Pentel hybride doré. Où es-tu? Ici. Et j'avais fait quelques petits points avec le Pentel hybride au travers de ça. Donc, j'en avais mis des gros, des petits. Si vous avez du Winsor et Newton, de l'aquabronze, peu importe, hein, tout ce qui est doré, vous pouvez le faire. Mais moi, j'avais préféré le faire avec le Pentel hybride parce que je pouvais vraiment contrôler où est-ce que je le mettais. Et j'en mettais des tout petits, vraiment petits, des gros comme ceci. Donc, voilà. Donc, je vais en mettre un peu partout. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc là, en principe, notre fond serait terminé. Donc, je vous montre l'autre fond. Hein. C'est pas mal la même affaire. Ça dépend juste comment on place nos couleurs, finalement. Donc, je vais vous montrer avec le Pentel hybride. Parce que là, je ne sais pas si vous le voyez, mais quand on bouge le livre, regardez-moi ça comme c'est beau. Donc, moi, j'avais beaucoup aimé ce mélange de ces trois couleurs-là en laissant quelques espaces blancs comme ça. Et je sais que ça vous avait bien plu. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de l'intégrer dans notre spécial fond du mois de novembre. Parce que bon, hein, c'est rendu une tradition, on le fait tous les mois. Donc voilà, alors en principe, mes amis, on a terminé cette vidéo. Hein. Ça n'a pas été long pour ce fond-ci. C'est plus celui, on est au corps 2 qui a pris du temps, je pense. Donc, il est bien sèche. Je vais vous le montrer. Voilà, décidément, aujourd'hui, on était dans les teintes de rose et de mauve. Donc, on a fait celui-là. Et si vous vous rappelez bien, on a fait les aurores boréales. Où sont-ils maintenant? Je ne sais plus. Mais c'est dans ces vidéos qu'on les a fait, hein? Il me semble. Parce que j'ai de ça cet après-midi. Et là, je suis rendue en soirée. Fait que je m'en rappelle plus. C'est dans lui que j'avais fait les aurores boréales, non? Il me semble bien que oui, non? C'était le colo, là. Voyons, c'était le colo avec les deux femmes. C'est qui est rendu. Bon, il est là. Donc, voilà. Alors, aurore boréale pour notre premier fond. Ensuite, on a fait celui-là que vous m'aviez demandé. Et lui, que j'ai décidé de vous partager parce que vous l'avez bien aimé. Donc, voilà, les amis. Ça complète notre spécial fond de ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré. Est-ce que ça vous satisfait celui-là? Parce que j'ai pas vraiment réussi à refaire l'autre. Mais bon, j'ai fait mon possible. Donc, n'hésitez pas aussi à les reproduire. Hein. C'est pour ça que je l'ai fait, ces vidéos-là. Juste mentionner mon nom, des fois, ça fait toujours plaisir. Donc, voilà. Alors, j'attends vos commentaires dans les commentaires, hein, bien sûr. Il est temps que j'aille me coucher. Donc, voilà, les amis. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande de colo de Zazou qui est sur Facebook. C'est mon groupe de coloriage. Ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.